Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes fournitures scolaires pour la rentrée 2020. Donc je suis vraiment trop contente de vous faire cette vidéo étant donné que je commence enfin les études supérieures. Voilà, j'ai pris une année sabbatique après avoir terminé le lycée et là je recommence enfin quelque chose. Donc bien évidemment mes fournitures scolaires seront un petit peu différentes de si j'allais au lycée, etc. Mais si vous voulez voir les fournitures scolaires que j'avais quand j'allais au lycée, j'ai fait une vidéo il y a 2 ans je crois sur mes fournitures scolaires. Donc je vous mettrai le lien dans le petit i et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc sur ce, on va tout de suite commencer. Donc je vais vous montrer d'abord le moins intéressant entre guillemets pour finir par le meilleur. Donc voilà, c'est parti. J'ai tout d'abord acheté un lot de 3 stylos 4 couleurs de la marque Bic. C'est vraiment les stylos que j'utilise chaque année. Ils sont vraiment super pratiques. Vous avez 4 couleurs en un stylo, donc ça change la vie. Ensuite, j'ai acheté un lot de 5 Tipex souris. Voilà, donc du Tipex, c'est vraiment essentiel. J'en avais plus du tout. J'ai terminé tous les miens que j'avais au lycée, voilà, et j'en ai pas racheté parce que comme je reprenais pas d'études, ça m'était pas utile. Mais là du coup j'ai acheté un pack de 5, comme ça j'ai le stock pour toute l'année. Aussi, j'ai oublié de le préciser, mais je vous mettrai le lien de chaque article si j'arrive à les trouver en barre d'infos, voilà, parce que j'ai acheté mes fournitures dans différents magasins et voilà, c'est un petit peu compliqué de me souvenir de où est-ce que j'ai acheté quoi, mais du coup je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si vous voulez retrouver quelque chose. Pour continuer avec des stylos, j'ai craqué sur ce lot de stylos Peppermint, voilà, j'adore, c'est le lot de couleur Candy Pop, je crois. Il est vraiment trop beau et comme je vais commencer donc une école pour devenir prof, enseignante, voilà, à des enfants de 8 à 12 ans. J'avais vraiment trop envie d'acheter plein de stylos colorés pour corriger ou alors pour écrire des petits mots. Enfin bref, voilà, j'adore les stylos en plus, donc ça élargit ma collection de papeterie qui est déjà énorme. Mais bon, ceux-là étaient vraiment trop beaux. Pour continuer dans les stylos, je me suis commandé ce lot de 10 stylos de la marque Zebra. Ce sont les Sarasa Clip. Donc ce sont des stylos gel en fait de 0,5 mm. Et c'est des stylos qui me faisaient vraiment envie depuis un petit moment parce que je regarde pas mal de youtubeuses américaines, voilà, qui font des vidéos un petit peu papeterie, study, etc. Et elles recommandaient beaucoup ces stylos et ça faisait vraiment pas mal de temps que je voulais les tester. Donc je les ai enfin commandés. Je les ai pas encore testés à l'heure actuelle, mais j'ai vraiment hâte et j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, ce sont les couleurs basiques, mais il existe aussi un lot de couleurs pastel, je crois, qui est vraiment très beau aussi. Pour pouvoir ranger tous ces stylos, je me suis pris une petite trousse comme ça de la marque Takain. Elle est super jolie, elle était en promotion sur un site mais qui est disponible qu'en Suisse, donc je me la suis prise, voilà, elle m'a coûté vraiment rien du tout pour une trousse Takain et je la trouve vraiment trop belle. J'ai également pris de l'eau de surligneur, voilà, donc ce sont les midliners de la marque Zebra. Si vous me suivez, vous savez que j'adore ces surligneurs et que j'avais acheté il y a 2 ans avec Allison le lot de 3 paquets comme ça, mais ce sont les premiers lots qui sont sortis en fait. Entre temps ils ont sorti 2 nouveaux lots que j'ai pu me procurer, voilà, c'était vraiment mon cadeau de rentrée. Du coup maintenant j'ai toute la collection, je crois, et vraiment ils sont géniaux. Ce que j'aime beaucoup dans ces surligneurs, c'est déjà qu'ils sont fins et petits, ils rentrent facilement dans une trousse et les couleurs sont vraiment super jolies, elles sont pas trop flash, c'est un peu des couleurs un peu pastel ou moins fortes, on va dire, que les stabilos ou les surligneurs classiques. Et vraiment j'adore. Donc là je me suis pris les 2 lots qui me manquaient et vous pouvez voir les 3 autres lots de midliners dans mon ancienne vidéo fourniture scolaire. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais en tout cas j'adore ces surligneurs. Ensuite j'ai fait une commande sur un site de papeterie japonaise, je crois, qui s'appelle Notebook Therapy, et j'ai commandé une petite trousse comme ceci qui en fait se déplie, elle s'agrandit en fait et ça vous fait un format pot. Donc en fait vous remplissez votre trousse, voilà, donc comme ça, et après quand vous voulez utiliser vos produits, vous pouvez tout simplement baisser la partie blanche et ça vous fait comme un pot à crayon où vous avez tous vos stylos qui sortent directement. Et je trouve ça beaucoup plus pratique que de devoir farfouiller dans une trousse et de jamais trouver ce qu'on a besoin. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester cette trousse. Et toujours sur le site de Notebook Therapy, je me suis également pris ce petit lot de post-it, voilà, j'ai trouvé super mignon avec une petite partie qui dépasse en fait, donc c'est super bien pour s'organiser, ça fait un peu comme des séparateurs, donc je me dis que ça peut être vachement pratique pour organiser mes cours et ce sera du coup plus facile quand j'aurai à réviser pour mes examens. Ensuite je vais vous montrer 2 articles que j'ai achetés chez Action mais qui n'ont pas un rapport direct avec l'école, c'est juste qu'en tant que future enseignante, voilà, je vais devoir faire pas mal de travaux manuels, enfin de dessins, etc. avec les élèves, il y aura plein d'activités créatrices et du coup je me suis pris 2 petites choses chez Action qui vont m'aider. Donc je me suis tout d'abord pris
un petit tapis de découpe à 3 parce que j'en avais pas et que c'est vraiment quand même essentiel. Surtout que là, durant mes études, en fait, j'aurai des projets à rendre, etc. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir un truc sur lequel vous pouvez découper tout ce que vous voulez sans risquer d'abîmer votre bureau ou votre surface de travail. Donc voilà. En plus, c'était vraiment pas très cher. Je crois que c'était 2 euros et quelques, même pas. Et je me suis pris cette machine à découper le papier. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, honnêtement, pareil, c'était 2 euros, donc je suis un petit peu sceptique, mais bon, si ça fonctionne, tant mieux. En tout cas, je l'ai pas encore testé, mais voilà, c'est une de ces petites machines qui découpe le papier, et ça peut être vraiment super pratique selon les travaux que j'ai à faire dans le domaine des activités créatrices, etc. Ensuite, je voulais vous parler d'une fourniture scolaire un petit peu atypique, mais qui est quand même vachement essentielle. Il s'agit d'une lampe de bureau de la marque Benck. Donc, ils me l'ont gentiment envoyée pour que je puisse la tester et vous en parler en vidéo. Et donc, cette lampe de bureau a vraiment changé ma vie, étant donné que généralement, les lampes de bureau, c'est vraiment des toutes petites lampes qui ont un éclairage assez jaune, voilà, et qui, on va pas se mentir, n'éclaire au final pas très bien. Mais cette lampe-ci est vraiment révolutionnaire dans le sens où elle éclaire sur une super grande surface et vous avez la possibilité de changer la température et de changer l'intensité de la lumière, donc de mettre la lumière plutôt faible ou plutôt très lumineuse, voilà. Et il y a aussi un mode e-reading sur cette lampe, donc c'est pour tous ceux qui travaillent sur un écran ou sur un ordinateur. C'est en fait un éclairage qui est adapté au travail sur écran et qui va du coup protéger vos yeux parce que ça va être beaucoup moins agressif tout en vous éclairant pour que vous puissiez quand même y voir clair. Donc franchement, c'est top. Donc la lampe, c'est la WIT, elle est disponible en 4 couleurs je crois différentes et ce qui est bien, c'est qu'elle est amovible aussi, donc vous avez 3 endroits que vous pouvez bouger et mettre votre lampe vraiment dans toutes les positions, donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, je vous aurais montré des images à l'écran, mais franchement moi j'adore cette lampe. Donc par contre, son prix est quand même de 180 euros je crois, donc c'est pas donné pour une lampe. Donc je comprends qu'il y ait plein de gens qui n'aient pas les moyens de s'en procurer une, mais si vous avez les moyens et que vous avez envie d'investir dans une bonne lampe de bureau, franchement je vous la recommande. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Et donc le dernier objet que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est le plus gros cadeau que je me suis fait, on va dire, pour ma rentrée scolaire, mais c'est quelque chose qui va m'être vraiment pratique. Je me suis offert l'iPad Pro 2020, donc c'est le modèle 11 pouces, voilà. Et je l'ai pris avec l'Apple Pencil et le clavier Logitech qui est vraiment super. Et donc je me suis pris ça pour pouvoir prendre mes cours notamment, mais aussi pour faire plein de dessins, etc. Parce que j'avais très envie d'avoir une tablette pour faire du dessin sur Procreate, etc. Donc c'est avec ça que j'ai fait les printables. Mais du coup voilà, je me suis pris cet iPad pour pouvoir prendre des notes parce qu'il est beaucoup plus petit que mon ordinateur. Et franchement, trimballer son ordinateur tous les jours, ça fait lourd dans le sac. Du coup j'ai trouvé cette alternative et franchement pour le moment j'en suis fan. Donc je ne maîtrise pas encore tout sur l'iPad, j'ai plein de trucs à apprendre, mais en tout cas j'ai vraiment hâte et j'ai testé plein d'applications pour prendre des notes, donc on verra celle qui me correspond le plus. Mais si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur l'iPad Pro un peu plus en détail, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, voilà, parce que je sais qu'il y a plein d'étudiants qui hésitent justement entre un iPad ou alors un ordinateur portable classique. Moi aussi j'ai galéré, j'ai regardé plein de vidéos pour savoir si c'était un bon investissement, parce que quand même, on va pas se mentir, c'est pas donné. Mais en tout cas franchement j'en suis ravie et j'utilise vraiment tous les jours. C'est vrai que j'utilise presque plus mon ordinateur à part pour faire le montage vidéo, où je préfère quand même parce que je me sens encore un petit peu bloquée sur l'iPad pour faire du montage vidéo. Enfin, j'ai vraiment l'habitude de Final Cut Pro sur mon Mac, donc voilà. Mais c'est vrai que je commence à beaucoup m'habituer à cette petite bête et j'en suis fan. Donc voilà, c'est tout pour mes fournitures scolaires. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle classe vous rentrez cette année. Et si vous êtes déjà retourné à l'école, si votre rentrée s'est bien passée. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Ça vous permettra d'être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Voilà, c'est Zoé-YTB. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!